Salut, c'est Leslie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de maillots de bain pour les grandes tailles. Après, je parle de maillots de bain, mais bien évidemment, sur les sites dont je vais vous parler, vous pourrez aussi trouver des soutiens-gorge. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le fait d'avoir une forte poitrine, à quel point ça pouvait être contraignant. Et il faut savoir que quand on a des gros seins, c'est très compliqué de trouver des maillots de bain et surtout des maillots de bain jolis. Il faut savoir que jusqu'ici, moi, j'allais tout le temps chez Darjeeling, mais franchement on va pas se mentir, leurs maillots de bain, surtout pour les grandes tailles, ils sont super moches, on va parler clairement. Autant pour les petits bonnets, genre en dessous du dé, ça va, franchement les maillots de bain ils sont même super jolis, mais je sais pas pourquoi on dirait qu'à partir du moment où t'as une grosse poitrine, t'es obligé d'avoir des sous-vêtements moches, mais c'est vraiment abusé. Même je sais pas, Undy c'est quand même un truc de sous-vêtements, je comprends pas pourquoi ça va pas jusqu'au G, H, enfin c'est vraiment une sorte de discrimination je trouve envers les filles qui ont une forte poitrine, alors qu'en gros on a strictement rien demandé. Et même Rihanna, sa marque de lingerie là, elle s'est arrêtée au 115 E. Et ça m'a trop choquée. Comment elle peut s'arrêter au E? Genre dès que j'ai vu qu'elle avait sorti sa marque de lingerie et tout, directement je suis allée checker et tout. Le site là au départ, il m'a mis en liste d'attente pour pouvoir avoir accès au site. Pour que je mette le filtre sur les tailles et qu'ils me disent que ça va être au 115 E. Et j'avais trop la haine. Franchement j'avais trop le seum. Genre je m'attendais tellement à ce qu'il y ait enfin une marque bien sur laquelle je puisse commander mes sous-vêtements. C'est incroyable. Bref. Comme je vous ai dit, moi, genre toute ma vie, ça a été vraiment du Darjeeling. Genre vraiment depuis que j'ai, je sais pas, depuis que je suis au lycée en tout cas, ça c'est sûr. Dites-vous que depuis que je fais du G, j'ai un seul maillot de bain. Genre j'ai toujours eu qu'un seul maillot de bain, c'est celui-ci, je vais vous le montrer. C'est vraiment un basique de ouf, genre vraiment noir tout simple avec des bretelles en zèbre. Même là-bas, je m'en fous, franchement, s'il y avait juste des basiques noirs, simples, blancs et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, même là, ils sont obligés de rajouter une... la petite faute en fait. Ils sont obligés de fauter et de rajouter un truc zébré alors qu'on n'a rien demandé. Genre juste du tout noir, ça aurait été très bien en fait. Genre vraiment, si encore les mamans étaient basiques, mais non, ils sont vraiment moches. Et vraiment des maillots de bain de vieux. Genre je sais pas, je comprends pas. Du coup, là comme je pars au Togo cet été, je voulais vraiment trouver des maillots de bain qui me plaisent. Du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études, en gros, j'avais des cours d'entrepreneuriat. Et comme dans mon groupe, on était que des filles avec des fortes poitrines, on s'est dit qu'on allait essayer de lancer une marque de lingerie pour les fortes poitrines. Après c'était fictif. Et en gros parmi nous il y avait une fille, genre sa soeur, elle commandait sur le site dont je vais vous parler après. Et j'ai décidé de tester le site. En fait à la base je voulais faire une sorte de haul, mais je savais bien qu'en fait les maillots de bain je vais les acheter genre mi-juillet, un truc comme ça. Et je me suis dit que ça allait être trop tard pour certaines qui seraient déjà parties en vacances. Donc je me suis dit j'ai testé le site au moins une fois avec un maillot de bain pour vous montrer et vous dire mon avis. Et comme ça après vous, si vous le souhaitez, vous pourrez commander dessus en étant sûr que c'est pas une arnaque, que vous allez bien recevoir votre colis, etc. Le site en question il s'appelle Brastop. Donc en fait c'est un site londonien il me semble. Ouais c'est ça, c'est bien un site londonien. Donc voici à quoi le site ressemble. Bon esthétiquement c'est pas un truc de ouf, mais j'ai reçu mon maillot de bain et je suis pas du tout déçue. Donc du coup dessus vous pouvez mettre la taille soit de votre soutien-gorge, donc soutien-gorge que vous cherchez, soit la taille de votre maillot de bain, donc du haut de votre maillot de bain. Là les tailles elles vont être en anglais, donc les tailles anglaises ne sont pas les mêmes que les françaises. Déjà en termes de taille, peut-être que je vais vous expliquer parce que je sais que tout le monde ne comprend pas forcément comment ça se passe. Il y a les chiffres et il y a les lettres, c'est deux choses complètement différentes. Genre par exemple moi je fais du 85G, genre la lettre et le chiffre ils ont vraiment leur signification. 85 ça va être le tour de votre dos, donc c'est à dire que plus vous avez un tour de dos élevé, plus vous avez un dos épais et plus normalement vous êtes forte on va dire. Plus vous avez un tour de dos petit, plus vous avez bah, un gabarit assez skinny, un dos fin, une taille fine, enfin voilà, en gros c'est proportionnel. Alors que le bonnet, c'est vraiment bah, comme le bonnet sur la tête, en fait c'est vraiment la profondeur du bonnet, donc vos seins, genre à quel point ils remplissent en fait votre soutien-gorge. Les lettres c'est vraiment en termes de profondeur, alors que les chiffres c'est vraiment en termes de largeur. Donc c'est pour ça que c'est très différent. Il faut vraiment bien comprendre la différence entre les deux. Surtout pour s'acheter des soutiens-gorge, il faut vraiment connaître sa taille, tout sur le site dont je vais vous parler, parce que comme c'est sur internet, il faut vraiment connaître sa taille avant. Donc maintenant, une fois qu'on a compris ça, on peut aller sur le guide de taille. Donc par exemple, là, il y a écrit « What's my UK size ?» Donc on va dessus. Donc voilà, par exemple en FR, je sais pas moi si vous faites, imaginons du H, et bah le H ça va être du double F. Voilà, si vous faites du G, comment ça va être du F? Parce que eux en fait, des fois ils doublent les lettres et donc du coup ça crée un décalage. Donc faut vraiment bien regarder le guide des tailles, sinon vous risquez de vous tromper. Par exemple en fait, vous voyez qu'à partir du E, donc nous c'est du E, E c'est du double D, donc du coup après ça crée un décalage. Donc par exemple moi je fais du 85G et donc du coup là ça va devenir du 32F il me semble. Donc voilà, en bas vous avez la taille
taille par rapport aux chiffres justement. Donc moi le 85 ça passe au 32. Alors moi du coup celui que j'ai commandé c'est celui-ci. Donc c'est en gros c'est un maillot de bain comme ça. De toute façon je vais vous montrer sur le site. En gros ce que je veux dire genre le tour de dos bah il est tout petit. Vous voyez? Et ça genre vraiment le bonnet bah ça c'est un bonnet avec de la profondeur en fait, c'est ça la différence entre les deux. Donc du coup lui par contre, celui que j'ai pris, il est légèrement serré. Genre en vrai de vrai, je peux le mettre, enfin je vais le mettre, j'irai le mettre à la plage parce que c'est la première fois que j'ai un maillot de bain aussi beau. Mais c'est vrai que c'est un petit peu serré, donc je pense que les prochains que je vais prendre, je vais peut-être pas prendre 85 mais peut-être 90. Donc au lieu de prendre du 32, je pense que je vais essayer avec du 34, à mon avis je serai beaucoup plus à l'aise dedans. Je vais vous montrer un petit peu les différents modèles qu'il y a. Pas du tout, enfin je l'ai, de toute façon d'habitude je le dis quand c'est sponsorisé mais c'est pas du tout sponsorisé, hein. C'est vraiment juste pour vous aider parce que je sais très bien que c'est une galère. Bah j'ai rentré ma taille à moi et on va regarder ce qu'ils proposent. Donc si je mets, donc moi c'est du 32F, bah du coup on va mettre 34, vas-y. 34F et le style, vas-y j'en mets pas, on va voir juste les différents modèles, c'est pas important. Et donc du coup voilà, là vous voyez qu'il y a vraiment des maillots de bain adaptés à votre poitrine et en plus de ça c'est pas cher, enfin ça va franchement. Là par exemple il y en a un, il est à 19 livres, je pense que ça va faire peut-être 21 ou 22 euros un truc comme ça, alors que chez Darjeeling même chez la plupart, parce que au début j'avais cherché, je me rappelle j'avais regardé un maillot de bain, il était trop beau chez Prima Donna, je crois que ça s'appelle comme ça, le haut, juste le haut je crois il est à 85 euros. Genre c'est un truc de ouf, déjà on galère à trouver, mais le pire c'est que dès qu'on trouve c'est super cher. Et là franchement c'est abordable par rapport à ce qu'on trouve. Donc là vous voyez les différents modèles. Genre là par exemple le noir je trouve qu'il est mignon. Et voilà, et il y a même des basiques, franchement, même si dans la plupart, moi je m'en fous, honnêtement, même si les Etam, Darjeeling, etc., ou même je sais pas, New Look, tu vois, juste s'ils proposaient des modèles simples, basiques, franchement, il n'y a pas de soucis, je demande pas un truc en dentelle XXL et tout, je m'en fous. Juste, si vous voulez des basiques, mais avec toutes les tailles, parce que c'est hyper chaud d'être négligé à ce point, genre, je comprends pas. Donc, je continue de regarder un petit peu les modèles à vous montrer, donc voilà, il y a des trucs en marinière, si vous aimez pas, si vous voulez cacher votre ventre, vous pouvez même prendre une pièce mais avec un maintien au niveau de la poitrine, parce qu'on sait très bien qu'à votre poitrine, la team nos bras là, etc., c'est pas la même chose, hein. Donc voilà. Après moi je sais pas vous, mais personnellement avoir un maillot de bain où je dois tenir ma poitrine avec mon cou, ça fait tellement mal, mais vraiment ça fait hyper mal. Et franchement si vous avez une forte poitrine, je vous le conseille pas du tout. Genre là celui-ci, ce modèle là où les bretelles passent derrière votre cou, je vous le conseille archi pas. Donc voilà, on va encore regarder un petit peu les différents modèles, mais voilà, regardez là le bleu, il est pas trop beau. Bon, du coup là ça prend par derrière le cou, mais en tout cas il y a du choix, c'est beau, c'est différent. Et enfin, c'est un truc de ouf. Mais vraiment là justement le bémol du coup bah c'est que c'est sur internet et je pense pas, enfin ils ont pas de boutique en France, c'est hyper 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 dommage. Voilà, regardez, lui il est pas beau, sérieux. Voilà, il est simple, on n'a pas besoin de se compliquer la vie, on veut même pas se compliquer la vie, on veut juste un truc adapté à nous, genre c'est incroyable. Il y a plus de 10 pages de maillot de bain adapté à un bonnet G. C'est incroyable, c'est top, franchement c'est le feu. Je vous recommande à 100%. Les fortes poitrines, ce sont les personnes quand même qui ont le plus besoin d'un soutien-gorge, d'un maintien, d'armature, etc. Et c'est nous qui trouvons le moins de choses. Et c'est absolument pas normal. J'ai essayé Primark, alors ou Primark comme vous voulez. Là-bas, je trouve franchement que les tailles, c'est du n'importe quoi. J'y suis allée, j'ai essayé et tout. C'était tout le temps trop serré. Donc j'ai pas compris. Et même au niveau du maintien, franchement, c'est hyper bancal. J'ai essayé Asos parce que Asos aussi ils font des grandes tailles. En attendant, à chaque fois par exemple que je vais mettre du 85G, ils vont m'envoyer du 90F. En fait, une fois j'avais commandé plusieurs maillots de bain et plusieurs soutiens-gorge et j'en avais gardé qu'un seul et j'ai dû tout renvoyer. C'est la seule fois de ma vie où j'ai renvoyé des articles. Genre ça m'arrive jamais de faire ça. Et les tous, ils m'avaient envoyé une taille un petit peu différente. Genre ils avaient trafiqué la taille, genre en partant du principe que ça m'irait quand même en fait. Que genre comme si le 85G c'était l'équivalent du 90F. Alors que comme je vous ai dit, les deux en vrai c'est deux choses différentes. Et aussi dernier maillot de bain que je voulais vous montrer du coup, c'est un que j'ai pris en fait sur Fashion Nova. En termes d'armature et de maintien et tout, c'est pas le top, mais en fait j'ai trouvé lui qui était trop beau.
Et en fait, je compte le mettre avec ça en dessous en guise d'armature en fait. Donc, du coup, celui de chez Darjeeling là que j'aime pas trop, les bretelles elles sont assez épaisses, bah, elles pourront cacher celles de celui-ci. J'ai pas encore essayé, mais je vais essayer de faire ça. Donc là, j'ai déjà deux maillots de bain pour l'été, c'est un exploit. Et vraiment, sur le site dont je vous ai parlé, je vais encore en commander plein. Si vous connaissez des marques de sous-vêtements qui vont au moins jusqu'au G voire jusqu'au H, ça serait super, donc dites-moi ça en commentaire. Une fois que vous m'aviez conseillé, franchement j'en ai regardé plein et au final j'ai pas du tout trouvé mon bonheur. Et des fois les marques vont dire qu'elles vont jusqu'à telle taille, mais finalement quand tu cherches un maillot de bain avec armature et où ça sert pas ici parce que porter ses seins avec le cou c'est très compliqué, bah tu te rends compte qu'en fait il reste plus que deux maillots de bain, genre c'est la galère et c'est à 50€. Comme c'est un site londonien, je sais pas si pendant les soldes vous allez pouvoir faire des bonnes affaires, mais en tout cas je vous conseille quand même d'aller voir chez Darjeeling cette année, qui sait, peut-être qu'ils auront changé quelque chose. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo elle va vous aider, que ce bon plan va vous permettre de trouver des beaux maillots de bain pour cet été, en tout cas c'est vraiment l'objectif. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine vidéo. Ils veulent fils, y'a Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé. Ils veulent fils, y'a Amber Rose.